Bonsoir Boubacar Kinda, bonsoir. Joueur de l'association sportive de Djerba. Mabrouk et félicitations, vous êtes en Ligue 1. Oui, nous sommes en Ligue 1 après quelques efforts. Nous sommes passés en Ligue 1 juste après quelques matchs. Donc je suis plus content de ce résultat, un peu plus positif pour moi et pour tout le groupe. Vos sentiments après cette grande victoire de l'équipe, est-ce que vous êtes bien intégré, vos sentiments? Oui, franchement, je suis très bien dans le groupe. Je dirais encore très très bien parce que j'ai eu à côtoyer quelques nouvelles têtes qui m'ont plu. Grâce à eux, j'ai eu à me faire une place. J'ai eu à encore avoir une vue de football encore plus élargie et plus mentalement meilleure. Et voici ce que ça donnait. On a eu la chance aussi de monter ensemble pour la Ligue 1. Donc je suis très content d'être avec le SD en ce moment. Vous avez marqué combien de buts cette saison? J'ai marqué que 2 buts parce que j'ai eu quelques petits problèmes lors de mon match avec Benekalet. Donc j'ai juste baissé d'un cran à ce que je peux dire. Mais lorsque je suis revenu dans le play-off, j'ai retrouvé le jeu mais pas les chemins du but. Mais je trouve que c'est un peu positif pour cette année, vu que c'était un travail collectif et non personnel. Et je suis fier. Boubacar, la saison prochaine pour rester à Djerba, est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres équipes? Pour le moment, il n'y a pas de contact avec d'autres équipes parce que le moment, je peux dire, j'appartiens à Djerba. Et je suis content d'être là. S'il y a des propositions quelque part, bon, j'en parlerai. Mais pour le moment, je suis content d'être avec l'ASD et de faire un pas avec l'ASD. Pour le moment, je suis content avec l'ASD. Vous êtes originaire de quel pays, par contre? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Papa ivoirien et maman burkinabé, donc je suis un peu un brassage de culture ivoiro-burkinabé. D'accord. On espère bien vous voir la saison prochaine à Djerba. Inch'Allah, on sera présent la saison prochaine. Inch'Allah, j'espère bien aussi. Bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.